Comment se prénomme votre petite amie? Regardez ce qui va se passer ici. Mon prénom, c'est parfait. Pourquoi sur live TikTok? Yannick. Ah, toi, quoi? Ton gars, il s'appelle Yannick. Hein. Ah, ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Yo la team, avant de continuer cette vidéo, je vous invite à télécharger l'application 1xbet dans la description. Utilisez le meilleur code promo JOSBY96, les gars. Obtiens 200% de bénéfice. Ta première mise à l'édit, les gars. Ça veut dire que si tu mets 100 colos, tu obtiens 300 colos. Rien que pour tes paris, c'est le thème, mon gars. Paris, obtiens des milliers. Ok, choukouma pas un peu, gars. On est au Cameroun et le Cameroun, c'est un bang, mon gars. We are together. Allez, lâche un pouce bleu. C'est pour nous encourager. Lâche, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette vidéo? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce live qui a envie de faire le test de fidélité avec sa partenaire ou son partenaire? Et dans ce numéro, on appelle la personne ici à live. Oui, moi je veux le faire. Tu veux le faire? Oui. Ok, bah voilà, Jasmine. Ah bon? À live. Ok, pas de souci. Tu veux qu'on fasse, on fasse genre, on appelle ta meuf. Elle est où? Elle est chez elle présentement, à Casablanca. D'accord. Ce qui veut dire que je l'appelle. Je dis que je suis avec son mec et je demande quel est le numéro de son mec, okay, le nom de son mec. Il n'y a pas de problème, ça va. Ça va? Oui, ça va. Ok, mais bon, attends. Ça veut dire que tu vas m'envoyer le numéro de ta meuf, IB. Ouais, IB, oui. Ouais. Descends, tu peux descendre, tu l'envoies et puis tu remontes. Ok. Parce que c'est pas bien, tu peux pas donner le numéro de ta meuf, là, c'est comme ça, c'est pas bon. Non. Bah, il y a les charros. Ils vont te devancer. On va écouter si ta meuf, c'est ton nom qu'elle va donner. Il y a pas de problème. Ouais. Vous cherchez les problèmes, vous, quand même. Hein. Et la tigresse, dis-moi alors. La tigresse, c'est toi, dis-moi. Tu es fidèle? Ah, moi, je suis ultra méga fidèle. J'ai des défauts, mais j'ai pas celui-là. Oh là là. La fidélité, pour moi, c'est la base. Tu es sûr que tu es une go du 237? Parce qu'au 237, la fidélité, c'est comme une coutume. Hein. C'est... Non, je suis go du... C'est un plat qu'on mange. Je suis go du 237 par alliance. Je suis avec un de tes frères. Oh là là! Oh là là, c'est génial, là. Mais tu as fait le meilleur choix, hein, parce que nous, bon, nos gars sont faux aux fesses, d'abord, terriblement. C'est ce que terriblement faux aux fesses. C'est ce que je dis depuis. Je vis ma meilleure vie depuis que je suis avec le 237. Oh. Non, tranquille. J'espère que tu viens. J'espère que tu viens souvent ici. Où ça? Ici au 237, au Bled, quoi. Non, j'y suis pas allé encore, mais c'est en projet. Jasmine, non, il faut venir. Ouais. Il va passer au test de fidélité. Ouais. Été. Ah, bébé Kero. Ok, d'accord. Bébé Kero, il va passer au test de fidélité. On va voir ce que ça va donner. Ok, j'attends. Je suis là. Dès que je reçois. J'enregistre et j'appelle directement. D'accord. Vous avez lu, les gars, le blaze qui est rentré là. Il faut prendre ça. La paix est bien. Arrêtez avec ça. Vous créez drôle. Là, vous cherchez les problèmes. La paix est bien. On est avec ton gars. Est-ce que déjà tu connais le prénom de Nuage Blanc? Il faut connaître son prénom. Il va donner son prénom. Il va donner le prénom qu'il a donné à. Mon prénom. Mon prénom, c'est parfait. Dans les problèmes. D'accord, prénom, je vais l'appeler parfait. Avec moi. Non, c'est le prénom de la meuf surtout d'abord. Oh oui, parfait. J'aurais besoin du prénom de la meuf. Donc, j'enregistre d'abord ça dans mon deuxième. Maï, ok. J'espère qu'elle va décrocher un numéro venant du 237. Elle va se dire, bah, peut-être que c'est dans un cœur, ça. Oui, là, ça serait encore juste un peu avec des suspens. Ça serait plus intéressant. Ah, d'accord, on va voir. Ok. Là, c'est même pas, elle me dit un autre nom, je sais pas, il casse tout chez eux. Maï. Maï est connectée, j'espère. Oui, elle est connectée, je crois. C'est ce qu'on voit souvent en live, là. Je sais pas si c'est en live aussi aujourd'hui. Oui, D'accord. Tu m'arrives sur le live, si, parce qu'après, si ça rame là, je vais poster ça sur mon YouTube, hein. Tranquille. Non, déjà le live ça arrive automatiquement, non, il n'y a pas seulement je retire seulement. Ouais, tranquille. Tout le monde attend. Je suis en train de ring. Je viens d'enregistrer.
Là, je t'ai prêt. Je suis prêt, même si j'ai un peu de boule dans le ventre, mais ça va. Bon, les gars, tout le monde se mute, d'accord? Ok, on est prêt. Lance l'appel audio. Là, ça sonne, les gars. On attend. Ça sonne. Allô, bonsoir, Maï. Bonsoir. C'est bien Maï, non, à l'appareil, n'est-ce pas? Oui. D'accord, Maïr. Je suis avec ton petit ami actuellement. Il passe à une télé-réalité. Et il doit gagner 250 000 francs si effectivement Maï arrive à deviner quel est le nom de son petit ami. Il est avec moi actuellement. D'accord. Oui. Son prénom ou son nom complet? Ben, tu peux d'abord donner son prénom et après il va valider si c'est ça et puis on verra son nom complet après. Parfait. 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 Bon, maintenant le nom complet, parce qu'il y a tellement de parfaits sur cette terre. Et le nom complet, alors c'est quoi? Beignet. Beignet parfait. Wow, parfait, félicitations, félicitations. Parfait, tu peux débuter. Parfait avec moi actuellement, s'il est en train d'écouter. Exactement. Mais vous m'appelez d'un numéro Bien sûr, parce que. Cameroun. Bien sûr, Comment ça se je suis micro-trottoyeur, je suis au Cameroun et actuellement je suis en live avec Parfait sur TikTok. On a décidé de faire un test de fidélité à la meuf de Parfait. Et donc, vous avez réussi haut la main. Donc, Parfait, félicitations, ta meuf est fidèle. Parfait. Ouais, je t'aime, bébé. Est-ce que. Attends, je. Attends, Parfait. Tu vas écouter Parfait directement. Oh, c'est trop mignon. Allô, bébé? Ta meuf. Ouais, mon amour, comment tu vas? Tu fais quoi sur live TikTok? Je suis avec les frères, nous sommes en train de parler, un peu de causer, de tout, de rien. Toi, tu es grave, hein? Ouais, un peu comme ça. T'es intérêt, hein? T'es Alors, intérêt, parfait. dis-moi pas Parfait. Qu'est-ce que tu ça. ressens? Comment tu te sens? Je me sens Parfait. vraiment. Bon, présentement, là, je suis content. Savoir que non, au moins, elle reconnaît. Il fait que je suis le seul, ça me réjouit un peu. Sinon, là, Elle. je serais déjà parti chez elle à tout casser. Maïr, félicitations encore. Elle s'assume quoi? Elle assume que son mec, c'est parfait. Vous vivez dans le même pays? Ah, d'accord. Alors, Maï, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est Get and Be. Get and Be sur YouTube. Parfait également. Toi, tu vas t'abonner. Tu verras les tests de fidélité que je fais souvent. Les gens Oui, tombent, hein? D'accord. je vois ça souvent. Get. Celui-ci, on va publier. Hein? Même celui-ci, je vais publier, hein? Ne vous inquiétez pas, je vais publier. Il n'y a pas de problème. Dans l'orthographe, c'est Getnbe. Ok. G. Oui, Nbe. Oui, Get NB. Donc, c'est mon travail de gâter les couples souvent. Donc, je suis dommage que je n'ai pas publié ton couple. Hein? D'accord. Ok, Maï, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Allez, Attends, parfait. On se tape en live. Imagine, D'accord. imagine que tu n'avais pas de nom de nuage, de parfait, tu devais lire. C'était sûr. Ouais, que du bonheur, parfait, elle est partie. Sur vous. Allez, est-ce que les gars, est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Le volume est très bon, j'ai aimé, franchement, j'ai franchement aimé. Si le volume est bon, vous me saturez des cadeaux, s'il vous plaît. Oh là là. Jasmine, je vais te donner le numéro, je vais te donner le numéro de quelqu'un. T'appelles devant moi. Ouais. Ok. Ça concerne bébé Kero, j'en suis Il sûre. dit. Non, ça ne me concerne pas. Ah. Il a le numéro de ta go, bébé Kero. Non, non, non. Aïe. Demande-moi, pourquoi. Oh. Qui d'autre? Tu m'envoies le numéro alors? Oui, attends, je vais t'écrire alors mon deuxième question. One Love, je suis là. C'est un numéro de Ben en plus. C'est un numéro de l'Allemagne. Ouais, de l'Allemagne, je vois. Tu m'en diras des choses. Hein. J'enregistre ça. Elle s'appelle comment?
Claudia. Yes, Claudia. La seconde qu'on apprête, on apprête des, on apprête dossier actuellement, tu vois. On apprête pas actuellement. Mais en temps, s'il y a un peu, s'il y a tirément, il y a tirément, mais une fois si il y a toujours Si malgré tiraillement là, elle va tout te dire, elle va quand même dire qu'elle t'aime ou quand même que c'est toi le favori. voilà. D'accord, j'espère que Claudia est du genre à prendre les numéros des inconnus, les appels des inconnus. À la choix. Ok, Claudia, Claudia. Bon, est-ce que vous êtes prêts d'abord? Si vous êtes prêts, on se mute tout le monde, hein. Je fouille, hein. Moi-même, Je lance l'appel de Claudia, les gars. Tu dis, mon pronom, c'est Jules, toi. Ouais, Jules, son gars, c'est Jules. D'accord. Donc, si elle dit Jules, ça veut dire qu'elle a trouvé. Jules. Maintenant, je vais citer avec autre chose. C'est déjà Jules, ça va, tu seras satisfaite quand même. Tu seras satisfait quand même, non? Je ne suis pas sûr qu'elle va dire Jules. Ça va dire quoi la personne? Il a peur. Tu as déjà peur. En tout cas, je lance l'appel, mon gars. C'est le cœur du bandit qui bat. Test de fidélité en direct, les gars. L'appel Claudia. Allô? Oui. Oui, bonsoir, Claudia. Bonsoir. Alors, Claudia, je suis avec ton petit ami. On est en direct sur ma chaîne YouTube Get NB. Il passe à un jeu de test de fidélité. Le but est pour lui que sa petite amie a réussi à deviner son nom. Alors, il aura gagné. Est-ce que vous êtes prête à jouer au jeu? Je vous ai pas bien saisi, vous dites. Je suis un YouTuber. Vous êtes en direct sur notre chaîne YouTube Get NB. Et je suis avec votre petite amie actuellement. Il passe au jeu concours sur notre chaîne YouTube, qui est un test de fidélité. Si vous, sa petite amie, réussissez à deviner son nom, alors il aura gagné. Est-ce que vous êtes prête à jouer au jeu? Vous êtes prête? Oui. Alors, dites-moi alors, comment se prénomme votre petite amie? Yannick. Yannick. Yannick, Yannick. Est-ce que c'est le prénom qu'il m'a même donné, ce gars? Yannick. Attendez, hein? Mon gars, tu as un autre prénom? Malheureusement, il s'appelle pas Yannick. Malheureusement, celui avec qui je suis dit qu'il s'appelle pas Yannick. Sauf si... Non, ben, c'est à vous de me dire. Vous avez combien de petits amis? Claudia, Claudia, vous avez combien de petits amis? Dis-nous. Et il s'appelle Yannick. Son nom de famille, c'est quoi? Non, c'est déjà, je dis Yannick, c'est pas obligé que je dise son nom de famille. Bah, pour qu'on puisse un nom quand même qu'il peut que tu es la seule à connaître. Manito. Magneto. Est-ce que c'est ça? Oui. Tu t'appelles Magneto? Malheureusement, Claudia, votre gars, celui qui prétend être votre petit ami actuellement ne s'appelle ni vous avez dit ni Manitou, Yannick. ni l'autre prénom que vous avez donné. Je vous donne son prénom. Oui, donnez-moi. Ok. Je vais vous donner son prénom, mais avant tout, vous allez parler également avec lui, d'accord? Alors, mon bro, tu es prêt à dire à causer avec ta go? D'accord. Il s'appelle Jules. Je lui passe le téléphone. Allez. One love. Voilà ton bébé. Oui, ça va? Oui, ça va et toi? Ton gars s'appelle Yannick. Hein? Ok, j'ai compris. Merci beaucoup. D'accord, Claudia. Merci de vous être prêté au jeu, s'il vous plaît. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est Get NB, pour voir toutes les vidéos que nous faisons sur les tests de fidélité comme ça. D'accord? Et je vous préviens d'ailleurs que cette vidéo sera sur notre chaîne YouTube. Hein. L'orthographe, c'est Getnbe. Get NB. OK.
Donc, d'ici demain, vous verrez votre vidéo, cette vidéo sur YouTube ou en semaine en fait, sur la chaîne YouTube Get and Be. Ok, sans souci. D'accord. Merci Claudia et que du bonheur avec vous et votre petite amie. Merci. En espérant qu'il soit l'unique. Jules. Oui. Love. Oui. Passe une bonne journée. D'accord. Ok, One Love. What? Là, le bébé vient de régner en direct, hein. Les gars, qu'est-ce qu'on fait? Applaudissez pour One Love. C'est la magie, mon gars. C'est la magie. Comment, dis-moi, qu'est-ce que tu ressens? Non. Déjà, moi, elle est normalement en enfance, tu vois. Déjà, moi, je sais qu'il n'y a rien depuis. Moi, on a eu le matin depuis, on se tirait depuis. Je sais qu'il n'y a rien qui a occupé ça avant depuis. Oh là 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 là. Donc, tu testais aussi pour voir si elle était encore mou. Voilà, parce que on se sépare depuis, ça fait au moins 3 ou 4 mois, c'est déjà plus. Oh là là. Mon gars, tu es maintenant rassuré que Claudia a un petit ami, hein. Après, elle vient me coller, c'est là pour me dire que tu fais quoi comme ça. Oh. Non, mais t'inquiète. Allez, qui d'autre veut passer au tabac, au Moulinex? The World, tu veux passer? Bro, dis-moi un peu, si la Gaule avait donné ton prénom, qu'est-ce qui allait se passer? Ah non, elle peut pas. Et nous, le monde, nous, l'avocat, c'est mort. C'est mort, comment elle pouvait donner le prénom? Non. Elle pouvait donner le prénom là qu'elle est encore. Mais toi, tu espérais quoi? Parce que imagine qu'elle t'aime encore. Non, et tu sais pourquoi elle ne donner le prénom là? Pourquoi? Parce qu'elle est belle. Ah, elle est belle. Ouais, elle est belle. Ah, donc forcément, elle devait seulement donner le nom du père de son Mouna, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Mais comment tu peux boucler la gosse si tu veux donner mon nom? Ah, imagine. Donc, tu voulais monter. Attends, dis-moi un peu, c'est le nom du père de son Mouna qu'elle a donné ou c'est le nom d'un autre gars? Mais nous, pas le père, après, ça ne m'intéresse pas, gars. Imaginons alors que c'est même pas le nom du père du Mouna, alors. Et moi, le père du Mouna, je ne sais pas ce que c'est lui. Je ne sais pas, il est la go, là, il sait pourquoi il est toujours été servi du Mouna, il sait que. Non, t'es bon. Ouais, voilà. Tranquille. C'est une go quand le Kébi s'est ensemble. D'accord. Dans tous les cas, je pense que ce format, il faut qu'on organise souvent, c'est One Love. Un format comme ça. Bien sûr. Soirée test de fidélité comme ça. Beaucoup de gars vont venir. Ouais, je te dis. Le matin, le soir, en tout. Ah, c'est ça le goût. Quand je fais semblant de plus la yama. Ah, c'est ça le goût. Quand il dit doucement, Kendrick, tu me fais mal. Ah, c'est ça le goût. Quand il dit mon frère, je veux plus de toi. Ah, c'est ça le goût. Ça le goût. Oh, ça le goût. Baby girl, I can't explain. The way you make me feel is so strange. Ça le goût. Ça le goût, comme Son Goku. Ça le goût, ma mignonne, même quand t'es vexée.